La catastrophe a été évitée de peu. Cette voiture, lancée à 200 km/h, percute un rond-point, puis s'envole avant de s'encastrer dans ce complexe sportif. Le véhicule a terminé sa course au milieu du gymnase. Le mur a été pulvérisé par la berline alors qu'un match de basket venait tout juste de se terminer. Des jeunes filles avaient justement un entraînement et 11 secondes, il s'est passé un espace de 11 secondes, elles sont rentrées dans le vestiaire et l'impact a eu lieu. Donc nous avons vraiment évité un drame. Les basketteuses ont été prises en charge par une cellule de crise. La voiture appartient à Sofiane Kihin, un joueur du club belge de Louvain. Malgré la violence du choc, ses jours ne sont pas en danger, mais il souffre de nombreuses fractures.